Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur 12 minutes, un jeu que j'attendais depuis pas mal de temps maintenant, puisque c'est un concept original dans lequel on va avoir 12 minutes pour changer le cours de l'histoire. Je vous explique très rapidement, grosso modo, on est dans une boucle temporelle, c'est-à-dire qu'on va commencer notre journée, tout ça, vous allez voir ce qui va se passer. À un moment donné, il va nous arriver un truc, ça va nous reprojeter au début de la journée, on va revivre les mêmes éléments, les mêmes événements, et on va devoir essayer de les changer au fur et à mesure de ce que l'on va découvrir, sachant que notre personnage va garder en mémoire tout ce qui se sera passé. Donc en fonction de ça, on va pouvoir réagir différemment pour essayer de changer les choses. Je vous en dis pas plus parce que même moi, je me suis pas vraiment spoil à ce niveau-là. Forcément, c'est un jeu qu'il faut découvrir directement, sinon ça enlève tout le goût du jeu. Donc on va le découvrir ensemble. C'est parti les amis. Allez, du coup, c'est mon premier lancement les amis. Comme je vous ai dit, rien de spoil. Comme ça, on va pouvoir voir ce que ça donne ensemble. Ok. Ok, oui, j'ai eu peur. Enfin, j'ai eu peur, oui et non. Sur le coup, je me suis dit, c'est bizarre. Normalement, c'est un jeu en vue du dessus. Là, on était en vue à la première personne. Je comprenais pas trop. Donc voilà, donc on joue ce personnage. Cliquez sur un objet interactif pour l'utiliser. Tableau, tableau. Ok. On va utiliser ça. Ok, je peux rien faire, j'ai l'impression dessus. Donc va falloir essayer de regarder un petit peu tous les éléments. Il y a un. Ok. Sur le coup, j'ai vraiment cru que c'était un bouquin alors que je suis en train de regarder un tableau. C'est très bien. Porte fermée. Ok, on a que des portes fermées en fait. Hein. Oh, oh. Baby. Sorry, neighbors. Ok, donc à droite, appartement qui appartient à personne. À gauche, chez le voisin. On a la plante. Fausse pierre. Déplacer le curseur vers le haut. Ok, je peux utiliser une pierre. There we go. Hein? Ah ok, en fait il y avait le... Il y avait le... la clé cachée, ok. Je l'ai eu dans la pierre ou dans le... la plante au final? Cliquez en dehors de l'objet sélectionné pour quitter, ok. No, I just need to use them. Ok, cliquez et faire glisser les objets de l'inventaire pour les combiner avec d'autres objets. Oui, donc là en gros cette porte. Locked. Can't believe I forgot my keys again. Donc ok, là c'est bien chez moi. We keep a spare set out here. Heureusement qu'on a caché un double des clés, ok, en plus il me dit un peu. Donc là en fait je vais faire glisser ici, c'est ça? Comme ça? Ok. Très bien. Alors j'ai hâte de voir le scénario hein, du coup pour le jeu parce que... Pour le hey coup, babe. J'ai hâte Come de home. voir comment ils vont... Love you. Oh. I'll be out in a second. Comment ils ont mis ça en place. Donc là, on rentre avec notre femme, très bien. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Ok. Dis-moi quand tu seras prêt. C'est-à-dire que là, je peux lui parler direct ou je peux aller explorer un petit peu, en fait, j'ai l'impression. Porte d'entrée, table, tasse. On peut vraiment interagir avec tout? Ok, donc là j'ai récupéré la tasse et je peux essayer du coup de l'utiliser ailleurs. Ah, je peux genre la caler là et tout. Ok, cuillère. Ok, je peux faire ça avec tout et n'importe quoi, je pense. Tableau, canapé. Porte, porte. Genre là on peut changer de pièce, très bien. Armoire à pharmacie. Alors la question, est-ce que j'essaie de faire l'histoire un petit peu en retournant lui parler ou est-ce qu'on essaie de regarder d'abord tout ce qu'on a sous la main? L'armoire, on a des somnifères. Hey, I finally remembered to put the spare key outside. Ah mince, comment je... Ok, il faut que je reclique là. Évier. Ok. Ok, ok, bon, ça ira. Bon, écoutez, on va juste regarder un petit peu à quoi ressemblent les pièces. Oh. Ok. Déjà, de savoir un petit peu où on habite. Donc, en haut, c'était la salle de bain. À gauche, on a la chambre. C'est pas très grand en soi. Interrupteur. Oula. Ouais, l'interrupteur, pas en super état.
Ok, on va du coup continuer de lui parler, je pense, puisqu'elle m'a dit de lui dire quand j'étais prêt. Je vais juste regarder cette porte, c'est quoi? C'est juste une armoire, un truc comme ça? Ah oui, c'est vraiment ça, quoi. Ok. Bon, on verra après pour fouiller un petit peu plus en détail. Déjà, on va essayer. On va essayer de faire défiler un petit peu l'histoire justement pour voir ce qui se passe. Attendez, j'ai fait livre ou épouse du coup? Ah ok, voilà, épouse. Donc là, on a des conversations différentes. Il y a un temps limité ou pas? J'entends un chrono. J'entends un tout petit chrono vraiment en fond. Comment vaut cette soirée si spéciale? Lui dire que c'est un bon moment pour le dessert. Vas-y, moi je veux bien le dessert. Hein. Just give me one second. Qu'est-ce qu'il pense qu'à manger là? Ouais, voilà. Le dessert en théorie c'est dans le frigo, je pense. Non? Oh, hein? Elle s'enferme et tout? Eh oh! Ah, pardon, vas-y, passe. Pourquoi elle était dans la chambre avant? Je peux m'asseoir, genre, pour attendre le dessert? Mais tellement. Mais c'est trop bien. Et alors le jeu, voilà, il a été réalisé apparemment sur cette vue-là. Parce que justement, le développeur voulait vraiment que le jeu soit accessible à tous, en fait. De ce que j'ai compris. C'est vrai que l'idée est pas bête. C'est un jeu qui est tellement original que c'est pas bête de se dire que ça peut s'adresser aussi à des gens qui sont pas forcément des gamers. Et en soi, la réalisation du jeu, c'est pas forcément le, on va dire graphiquement, le fait d'être d'être en mode première personne ou quoi, qui va changer quoi que ce soit. Donc je trouve l'idée pas mal. Je peux manger? Et là, ça permet d'avoir une vue d'ensemble en plus sur la pièce, sur ce qui se passe, donc. C'est pas bête non plus. Oh, it's our song. They had to play it. Ok, par contre, pourquoi on a des bougies? Qu'est-ce qui se passe en fait là? On peut pas lui parler là? Épouse? C'est quoi là-haut? Ah, c'est encore la clé? So, when is the dessert not just a dessert? I have something to share. Dessert and a present? What, when is this, my birthday? Just open it. Ah mais c'est ça qu'elle a été chercher C'est ça qu'elle a été chercher dans la chambre. So? I'll get it. Vêtements d'enfant. Baby clothes? With my... Du coup elle est enceinte en fait. C'était ça la nouvelle? What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Hey, you're hurting me. Et nous on reste assis en train de manger l'assiette, vous savez, pendant ce temps-là. C'est vraiment à moi de contrôler. Par contre, attendez. Non. Hands behind your back, please. Don't move. Will you come help? Attendez, parce que police. Police, pourquoi il n'utilise pas des menottes? Du coup, c'est vraiment un policier. On en parle? This is a mistake. Pour le meurtre de votre père il y a 8 ans. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? Où est la montre? Please, you must be thinking of someone else. No playing dumb. Tell me where the watch is. I'm not lying. Please don't hurt us. Honey, tell him. He can't help you. Just you and me. Tell me where the watch is, and we all go our separate ways. Ouais, c'est pas du tout un policier le mec, hein. Okay, let's just see. Le mec, il veut juste la montre en fait. Donc la montre, elle a une grosse valeur ou il y a un truc avec. No, please. Please. Okay. Okay. Par contre, il est en train de me tuer, on est d'accord là. Par contre, là, c'est mon cou entre ses mains là. La montre est dans. Ok, et on est mort juste avant qu'elle dise où était la montre. Il faut qu'on cherche cette montre, je pense. Il faut trouver la montre. Donc voilà le concept du jeu. La journée s'est écoulée. Je suis mort. Je reviens au début de la journée, au moment où je viens de rentrer dans l'appartement, vous vous souvenez? Et voilà.
Et donc là, il va y avoir les mêmes dialogues, mais forcément, vu qu'on se souvient, on va changer des choses. Sachant que, normalement, il y a toujours la même durée pour qu'il se passe des événements. C'est-à-dire que là, le mec, le pseudo-policier, il va arriver au même moment dans le gameplay. Donc plus je vais prendre de temps à explorer pour chercher des objets, moins il va y avoir d'interaction avec ma femme avant qu'il n'arrive. Genre là par exemple, si j'avais parlé à ma femme directement, le coup d'avant, j'imagine qu'elle aurait eu le temps de plus me parler, m'annoncer la nouvelle pour l'enfant, etc. Et peut-être m'annoncer aussi d'autres choses avant que le policier n'arrive. Mais vu que j'ai pris le temps de checker un peu partout autour, bah il est arrivé. Genre là, du coup... Là, si je fais rien, par exemple, je pense que le policier peut arriver alors que j'ai rien fait, quoi. Donc on va essayer de se bouger un petit peu, vous voyez un peu le concept du jeu. Donc là, soit j'essaie d'aller chercher directement la montre, soit... Ça fait quoi si... Qu'est-ce que je peux lui dire, ouais, à l'heure actuelle? Autre sujet, l'interroger sur le passé, pour essayer de savoir par rapport à son père, c'est pas bête. Lui parler du policier, donc lui expliquer finalement que la journée semble se répéter. On va essayer de faire le plus logique, déjà, par rapport à la journée qui se répète. I know this sounds weird, but... The day's repeating itself. Donc faut lui, ok, faut lui prouver rapidement. I'll prove it. Yeah, great. Let's see it. Wow me. Ok, choisir une preuve. Let's see. Choisir une preuve. I'm waiting. Il y a le cadeau qui est là-dedans, par exemple. Mais c'est où? C'était là-dedans qu'elle a récupéré ou quoi? If you can prove it. Ah, le cadeau, je l'ai. It'd be kind of cool. Wait. What is it? Let's see. Mais j'ai pas récupéré le cadeau? Ah bah si, attendez, si je fais ça. Ah oui, non, attendez, il fallait this le present. Faire glisser, voilà. Look, look, it's clearly an open. But I know there were baby clothes inside. I just bought them today. How could you know? You're kind of freaking me out. But do you believe me now? I mean, I'm getting there, I guess. All right, let me try and prove something else. Ok, donc faut trouver une autre preuve. Let's see. L'autre preuve, ça peut être le dessert. Le dessert, il était direct ici ou pas? Oui, elle me l'a servi de là. Hein. Hop. Ok. On va prendre cette assiette. Je l'ai pas récupéré? The dessert. I know you made my favorite. I know. Ok, pas besoin. I told you I did. Oh shit. Yeah, he did. Ok, something else. Let's see. Non, en vrai, il y a rien d'autre. Je pense que j'ai rien d'autre. Hein. Là, je suis en train de perdre du temps, je pense. Non, ok, laisse tomber, laisse tomber. Great. Ok, je vais essayer de l'interroger, du coup. Je vais essayer de l'interroger, lui parler du policier. Non, ça sert à rien, on va perdre du temps là-dessus, faut que je l'interroge sur le passé. L'interroger sur la montre, directement. Moi, c'est ce qui m'intéresse, en vrai. Did you ever own a pocket watch? A pocket watch? No. Not that I remember. Ouais, va pas me le dire. Il y a une histoire, il y a quelque chose qui se passe, par contre. Lui demander pourquoi elle a menti sur son passé, lui demander comment est mort son père. Vas-y, on va demander ça. How'd your father die? Faut pas lui rentrer dedans en mode pourquoi tu m'as menti et tout. That's a fun conversation topic. He had a heart attack. It was awful. Ok, laisse tomber, ça sert à rien. On va rien tirer d'elle pour le moment. J'ai pas assez d'éléments, je pense. J'ai pas assez d'infos, faut que je... En vrai, elle a parlé de la montre. Ça veut dire qu'elle est cachée dans la maison quand même. La montre, je pense, elle est cachée là-dedans. Yeah. La grille d'aération, en vrai, ça peut être une bonne planque. Can't open that with just my hands. Ok, faut que je trouve un outil pour ouvrir ça. Genre, vraiment, c'est sûr, il y a un truc là. Mince, pardon, je fais la mauvaise touche, j'ai faim. Hop. Ok, là, il y a le lit. On va quand même vérifier. Est-ce que je peux vérifier, genre, sous lit ou un truc comme ça? Ah non, c'est pour dormir. Non, non, mais dors pas. Hein. Mais pas du tout. Pas du tout, pire bail de dormir en fait. J'ai pas le temps de dormir en fait, là dans pas longtemps il y a l'autre qui arrive. La commode, il y avait rien d'autre du coup. La commode, il y a rien d'autre. La fleur. Ok, fauteuil. Ok, en vrai un tournevis là-dedans, il y en a un peut-être, je sais pas. Des outils, genre quelque chose. Ah, c'est fou le vêtement là. Y'a rien derrière les vêtements? Ah, je peux m'enfermer là-dedans? Ah, mais quand il arrive, si je m'enferme là? J'aurai peut-être l'info de la montre?
What are you doing in there? Il arrive. Ok, je reste là, je l'entends. Hein. Ah, mais du coup, le fait de dormir, ça peut peut-être me permettre de passer un peu le temps pour attendre justement la visite de l'homme. C'est peut-être fait pour ça. I'm with the police. Turn around, please. C'est pas le moment de sortir. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Hey, dis pas que je suis là. Hein. Hurting me. Me griffe pas. Hein. Par contre, s'il ouvre la porte. Help me. Will you come help me? Well, who come help you? My precious. Ah mais non, mais m'a grillé. Someone is here. I don't know. This is a mistake. Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. Look, I don't know. You don't have to handcuff me. We can talk this out. You're making a mistake. This is... You can't do this. Please, listen. This is more complicated than you think. Ah non. Please, just go. I won't tell anyone. Move. Je voulais voir si. Hands behind your back, please. Don't move. Ah non. All right, easy. Non mais je suis encore mort là du coup. Hein. En tout cas, maintenant vous comprenez pourquoi je voulais pas me spoil le jeu. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No, that can't be right. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Please, you must be thinking of someone else. No playing dumb. Tell me where the watch is. I'm not lying. Please don't hurt us. Honey, tell him. He can't help you. Just you and me. On s'en l'a déjà vu par contre. The watch is, and we all go our separate ways. I'm telling you, I don't. Du coup, je vais remourir sans avoir l'info, donc. Okay, let's just see. Et voilà, c'est reparti. No, please. Will you? Please. Okay. Just stop, please. I'll tell you. Bon, j'ai pas fouillé la salle de bain, j'ai pas vraiment fouillé la cuisine encore. Faut que je fasse ça la prochaine session. Ok, c'est reparti. Allez, let's go. I'm gonna fucking get you. Allez, pas le time. Est-ce que je lui montre son cadeau direct ou est-ce que genre je perds même pas de temps avec? Fenêtre, qu'est-ce qui se passe à la fenêtre? Oh, si elle sait pas que je suis rentré. Ah mais c'est trop tard. Si elle sait pas que je suis rentré, elle pourra pas me griller. Et du coup je pourrais savoir ce qui se passe. Ah, c'est trop une bonne idée je pense. Ah, par contre là elle m'a grillé direct. Donc si je me mets dans le placard peut-être c'est la même. Ok, on passe les dialogues, ça va aller plus vite déjà. Ok, c'est bon, il passe les dialogues tout seul, c'est parfait. Merci beaucoup, on va gagner du temps. Attendez. Tac, on va aller. Si, mais la salle de bain, j'y avais été en plus. Genre, je peux pas faire grand chose. Il y a armoire à pharmacie, je l'avais peut-être pas. Ah bah si, puisqu'elle est somnifère. Non, mais attendez, les somnifères, c'est pourquoi? C'est pour que j'endorme ma femme? Parce que je peux pas l'utiliser contre le mec, dans tous les cas, donc c'est pour ma femme, les somnifères? Ça ferait quoi? Plan de travail. Tu peux rien faire? Je veux le couteau là. Ouais, je me pousse. Ah, c'est pas mal ça, par contre, elle nous demande de nous pousser et tout selon ce qu'elle veut faire, ok. Bon, là, il y a les assiettes là. Thunder, I wasn't expecting a storm tonight. New Year's Eve, 8 years ago. She was caught in a picture. En vrai, j'ai toujours le somnifère, je peux essayer de le jouer avec ça, mais. Polaroid, je l'ai récupéré, ça me sert à quoi? Je peux faire un truc avec la porte? Ah, genre, je peux repartir là? Quoi? Ah, si je sors, ça me ramène là directement? What the fuck? Ah mince, j'ai perdu du coup. Ok, bon, c'est bon à savoir comme mécanique.
Et là, du coup, je peux regarder. Ok. En vrai, ça me sert à rien de regarder. De toute façon, je sais très bien qui va arriver. Attendez, et si... Oh non. Hey there. Coucou toi, il ferme la porte. Oh là là. Ah, salut, ça va? I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Great. Oh là là. I'll let you know when I'm hungry. Okay. Qu'est-ce qu'il faut pour lui prouver que la boucle est réelle en fait? Faudrait que j'ai une deuxième preuve au final. En fait, faudrait que j'ai une deuxième preuve. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Dire que la journée recommence, lui parler du policier, l'interroger sur le passé, autre sujet, que me vaut cette soirée, lui dire que c'est un bon moment pour le dessert, l'inviter à danser avec vous. Ok, let's sit down. Great. Je vais essayer de faire accélérer le moment du dessert pour voir si j'ai pas plus d'informations en fait directement. Mais est-ce que je peux lui caler un somnifère par contre? C'est quoi la tasse qu'elle m'a servi? En fait, c'est ça qu'il faudrait que je vérifie. Il y a un truc avec cet interrupteur ou quoi là à chaque fois aussi? Je sais pas à quoi ça va servir de l'endormir, mais j'ai quand même envie de voir. Voyons voir, qu'est-ce qu'elle me sert? J'ai pas été assez attentif au début. Est-ce que j'ai moyen moi de lui servir avant et de lui donner un somnifère dedans? Ou est-ce que je vais pouvoir lui donner après par exemple? Là elle fait ça, est-ce qu'elle reprend les tasses qui sont là? Ouais, elle reprend la tasse en bas, ok. Ok. Et elle prend la tasse dans l'évier, ok. Enfin, sur le plan de travail même. Ah, mais je sais pas laquelle est laquelle, donc je peux pas anticiper. Je peux peut-être la mettre en place en avance avec le somnifère, par contre. Parce que là, si je mets le somnifère maintenant, par contre... C'est ça, elle s'en met une à droite. Hein? Mon somnifère, il est où? Ah mais je l'ai plus parce que c'est... Ah oui je l'avais pris. Attendez, je l'avais pris avant de retourner dehors, c'est ça? Ok. Honey. Est-ce que si je le fais devant elle? Hey. Ouais. Are those? The fuck are you doing with the sleeping pills? You're roofing me? You know what? I think I've lost my appetite. Ah si, attendez, comment j'accélère le temps? Ah, c'est quand elle parle que je peux accélérer le dialogue, juste, ok. Alors, elle a mal pris le truc, mais je dois pouvoir lui faire en fufu. Par contre, le fait qu'elle ait mal pris le truc, si l'autre arrive... Ouais, mais je vais quand même me faire griller, je pense. Vas-y, non, on va ressortir, c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Porte d'entrée. Oh, allez, let's go. Are you serious? Allez, vas-y, let's go, let's go, let's go. Faut juste que ce soit moi. Comment ça ferme? Ok, ok, arrive. Ce qu'on va faire, c'est que le moment où elle va me chercher le cadeau, je mets le somnifère moi-même en fait. Ah, par contre, le problème, c'est qu'il va falloir que je lui remplisse la tasse avant. Et je dois pouvoir le faire. Ok, c'est bon à savoir qu'on peut faire passer par contre. Ça, je viens de le voir et j'avoue que ça va faire gagner du temps. Hop, tasse. On va lui remplir sa tasse directe. Voilà. Parfait. Et on va lui poser à elle là-bas. Ok. Bon. Il faut que je fasse la mienne aussi, je pense, histoire de l'accompagner. Hop. Histoire qu'elle soit pas seule à boire. Hop. C'est pas anodin si je peux placer les tasses et tout, à mon avis. Donc maintenant on va chercher le somnifère. L'avantage c'est qu'elle pourra pas me donner si jamais elle dort. L'inconvénient c'est qu'elle pourra pas me donner l'information non plus. Donc je saurais quand même pas où est cette montre. Et j'aurais pas plus d'infos. Parce que j'avoue que si j'arrive à savoir où est la montre... Mais non, qu'est-ce que tu fais? Mais hein? Tu te fous de moi là j'espère? Ok, elle se fout vraiment de moi. Bon j'espère qu'elle va bien se placer de l'autre côté après, c'est pas grave. Elle va bien réavoir soif avec le gâteau. J'espère. Parce que là, en gros, si j'arrive à connaître l'emplacement de la montre à gousset, j'aurai la deuxième preuve pour qu'elle me croie sur la faille temporelle. Enfin, la boucle temporelle. Et donc, elle voudra peut-être me donner plus d'infos après.
Mais là, pour l'instant, sinon, c'est compliqué. Donc là, épouse, on va lui dire, vas-y, je veux lui dire que c'est le bon moment pour un dessert. Elle va chercher le cadeau, on est d'accord si je dis ça. You saw it? Well, give me... Ok, ok. Va chercher le... Hop. Vas-y, ferme la porte. Ok, ok. Et là, ça met sur pause quand je vais là-haut. Ok. Somnifère, tasse. Ow. Gotta get this fixed, babe. Someone's gonna get hurt. Elle insiste à chaque fois. Bah, elle redit la même chose, forcément, mais sur le coup du... Quelqu'un pourrait se blesser avec l'interrupteur. Faudra que j'y aille jeter un coup d'œil de plus près après. Allez, vole pas ma tasse, s'il te plaît. Et s'il te plaît, bois. Est-ce que je peux accélérer quand même le truc, là? Je peux pas accélérer cette phase, par contre. Pardon. Hop. Juste pour info, c'est quand je fais clic droit que ça me remet le... l'interface que vous avez vue avec le menu. Ah, de rien. Non, non, mais laisse-moi m'asseoir là. Ok. Ok, ok, viens. Est-ce que si je bois devant elle... Attendez, on va essayer de manger un peu. On va essayer de manger et il faut que j'essaie de boire devant elle pour voir si ça la fait boire. Par contre, les somnifères, c'est pareil. Si ça agit pas de suite, c'est mort en fait. Parce qu'en gros, moi, il faut que j'ai le temps d'aller me planquer aussi. Hein. Allez, on va arrêter, on va boire un peu. Bois. So, when is a dessert not just a dessert? I have something to share. Just open it. Oh là là, c'est mort. So? Baby clothes? Yeah. I'm pregnant! We're having a... Donc elle va plus loin, vous voyez, dans les dialogues. So, how are you feeling? Lui dire le fond de votre pensée, pourquoi Dahlia? Ça va être génial, je ne sais pas du tout comment on élève un enfant, tu es sûr? Hey. You think so? You kidding me? You're incredible and I'm the baby and it will be so. Yeah. Ouais ouais, tellement d'amour tout ça. God. Mais elle boit jamais. I love you. Hey, we're doing it. We're having a baby. Hey, I have an idea. Don't laugh at me, but do you want to dance with me? Peut-être plus tard. Brain check. I don't put on my dancing shoes every day, babe. Maybe later. Maybe. Police, I'll get up. Non, non, non. Je peux pas lui dire de pas ouvrir. Ne vois pas. C'est reparti. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Ah bah c'est fichu là, hein. Je peux rien faire, hein. Fenêtre. Heavy rain. Hey, you're hurting. Don't fucking. Tout va bien. Now you. Hands behind your back. Don't move. Bon allez, on va accélérer, hein. I don't know. This is a mistake. Babe, will you tell me? This is a misunderstanding. Je peux pas accélérer? Look, I don't know. You're under arrest for your father's murder. Don't fucking move. You don't have to handcuff me. We can talk this out. Ah mais je peux bouger moi comme ça? Ah non pas du tout. Ah oui d'accord, en fait comme j'ai voulu bouger ou quoi, en gros il m'a tué plus rapidement. Ok, ça fait gagner du temps. Jesus Christ. Bon, l'idée sur somnifère c'est pas bête je pense, mais pourquoi elle a bu mon verre en fait tout à l'heure là? Allez vas-y sors là. Ah ce tableau là. J'ai pas regardé ce tableau. Ah mais la radio pour la musique, c'était ça la deuxième preuve peut-être aussi. J'avoue qu'il y a la radio qu'elle a utilisée aussi. Attendez. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à tester en vrai. Not now. Okay. Ok, elle allume. On va essayer de... On va essayer de retourner sur l'idée de... Hop. De la journée qui recommence. I'm living the same. Been there.
Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Let's talk later. So... J'étais trop vite, je sais pas ce que j'ai fait. Prouver que la journée, voilà. I'll prove it. Yeah, great. Let's see. On va tester directement la radio. Ouais, mais la radio, c'était random. What about the radio? What about it? Yeah, nothing, I guess. Ouais, non, la radio, c'est random, en fait. Good talk. Let me try something else. Let's see. Wait. What is it? You know what, forget it. Non, mais laisse tomber, ça marchera pas. Ça marchera pas pour le moment. Non, il faut vraiment... Ok, on va retenter le somnifère, mais... Alors, dans quel ordre je fais? Parce que là, si je le fais devant elle, ça va pas aller. Ok. À moins que... Vu qu'elle a bu là... Alors, attendez, ça va dépendre, en fait. Est-ce que je peux... Alors, attendez. Est-ce que je peux prendre sa tasse? Hop, remplir sa tasse. Et est-ce que je peux lui mettre le somnifère une fois que je suis dans une autre pièce? Est-ce que je peux genre fermer la porte vite fait? Ah mais je peux même la verrouiller, donc je peux me verrouiller dans la... Ok, ici. Ok, je peux verser quand même le somnifère là-dedans, ça marche en fait, les interactions entre objets. Tasse avec des somnifères, c'est parfait. Donc là, en gros, je vais la faire dormir et ensuite je m'enferme avec les verrous. Vous savez, le pire truc. Non, mais en vrai, me renfermer, je pense, caché, ça peut ne pas être bête. Je vais lui servir sa petite tasse là, tiens. Tiens, t'as à boire. Par contre, si elle boit pas là, alors qu'elle a bu tout à l'heure quand c'était sur la table, je pète un plomb. Ah mais le couteau je peux le prendre, tout à l'heure je croyais que je pouvais pas. Ok, alors attendez, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Parce que tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai passé ma souris justement sur le plan de travail en essayant de choper le couteau justement. J'avais pas vu que je pouvais. Est-ce que je peux poignarder ma femme? Vous imaginez le délire. Non, mais tu veux pas boire s'il te plaît genre. On va ouvrir cette porte déjà. Attendez, juste pour être sûr, parce que normalement, dans son cycle, elle doit boire. Donc si je lui vole cette tasse, elle va forcément boire avec l'autre tasse, déjà. C'est stressant, on entend des gens marcher en plus à côté. Ah, tu parles du policier, autre sujet... M'inviter à danser, ça va lui donner soif. Mais d'ailleurs, elle me demandait de danser à la fin, ce que j'ai pas pu faire. Ok. Ok, donc elle veut d'abord que je mette de la musique. Mais la musique, je pouvais pas en mettre. Si ? Ah si, c'est bon. Bon. Ah oui, il y avait ce coup de l'interrupteur aussi. Yeah. Ouf. Okay. Oh. Oh, it's our song. They have to play it. Ah bah ça y est. Ça y est, c'est notre chanson. Mais elle a toujours pas bu. Mais elle est incroyable. Tout à l'heure, t'as bu quand je l'ai posé sur la table. Faut que je lui pose sur la table ou quoi? Autre sujet. Care to dance. Vas-y, danse. So wrong. All right. Vas-y, c'est romantique. Lady. I can't remember the last time we danced. Ah mais du coup, elle a pas forcément enchaîné sur ce qu'elle aurait dû me dire tout à l'heure si on avait dansé après le repas. Like riding a bike. Non. Stop, c'est bon, j'ai fini de danser. Arrête. J'ai le couteau quand même à tester. Police, open up. I'll get it. Je crois que le couteau ça marchait pas. Fuck. Ok. Bon, on va refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, précisément. C'est-à-dire que j'avais pris la tasse directement.
et je l'avais mis sur la table. J'avais fait en sorte que ce soit ma tasse en fait. On va lui faire pareil hein. De toute façon je pense que les deux tasses sont censées être les mêmes hein, peu importe laquelle on prend. Ok, on va prendre le somnifère. On va mettre... C'est moi qui vais boire le somnifère. Mince, il y a la porte ouverte. Bon, elle a peut-être pas vu pour autant. Non, c'est bon. On va lui poser du coup ça ici, là où il était tout à l'heure. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais moi du coup? En fait, faudrait faire passer un petit peu le temps quoi, mais hop. Yeah. Ouf. Ok, ça me donne une idée ça en vrai. Ok, là on voit le temps passer aussi par rapport au temps qui reste. Parce que elle, elle y va normalement à ma place, donc en fait je peux l'électrocuter à elle si je veux. Alors est-ce qu'elle a bu? Parce que du coup il y a le somnifère à tester. Va boire, va boire, va boire, va boire. Oui, oui. Parfait. Ok, le somnifère, on va pouvoir tester déjà, voir si ça permet de... d'ouvrir une opportunité quelque part, on va voir ça. Et sinon, j'ai quand même envie de refaire un autre essai derrière, j'ai envie de l'électrocuter pour voir. C'est-à-dire que si j'allume une fois, moi, la lumière avant elle... Hey, I finally remembered to put the spare key outside. I'm so tired. Ok, ils sont fatigués. Oh, just gonna lie down for a sec. Ouais, va t'allonger, ok, ok. Vas-y. Après, l'électrocuter, je vois pas trop l'intérêt non plus, mais bon. Ah, à moins que... Ah, mais attendez. En fait, y a tellement de possibilités, je sais pas. C'est-à-dire que là, vu qu'elle dort, peut-être que le policier, je peux juste ne pas lui ouvrir. Mais quel va être l'intérêt? Épouse sans connaissance, est-ce que je peux la fouiller, peut-être? Voilà. Ça, c'est ce que je voulais voir. Clé de maison, livre. On va tout prendre de toute manière. Ça c'est le livre qu'elle lisait. Clé de maison. Clé de maison, c'est quoi la différence? Oh, these are for the front door. Elles sont pour la porte d'entrée. Il y a le bébé qui pleure à côté. Verrou. Le verrou est fermé. Why a book in meditations? Ouais. Bon, j'ai pu la fouiller du coup, ok. Ce coup de l'électricité, ça peut permettre de stun le tueur sinon. Quand il vient me chercher, dans le noir, est-ce qu'il allume la lumière? S'il allume la lumière, il peut s'électrocuter si je l'active une première fois. Je pense qu'on tient une piste aussi là-dessus les amis. On tient totalement une piste avec ça je pense. Vous savez le moment où je suis planqué et qu'il me cherche dans toute la maison parce que ma femme lui dit que je suis là? Il doit forcément allumer. Je me souviens plus s'il faisait ou pas parce que on n'est pas attentif à tout puisqu'on n'y pense pas forcément. Mais c'est sûr et certain. Bon du coup là il faut juste que j'attende qu'il arrive. Et avec le verrou fermé, le problème c'est qu'il va défoncer la porte en fait. Donc j'attends qu'il arrive et je me planque, je vois pas l'intérêt en vrai. Je sais pas trop ce qui va se passer. Et si je me planque avec le couteau, est-ce que je peux le backstab et le... Et en fait le poignarder dans le dos aussi. Ah il y a tellement d'idées en fait, genre ce jeu. J'ai l'impression que c'est que des petits trucs. Ok il arrive. C'est que des petits trucs mais il y a tellement d'idées. On va fermer la porte. Hein. On va attendre. Il va sûrement défoncer la porte malgré le verrou. En vrai, j'ai plusieurs idées à tester, mais c'est ça, c'est que des petits détails, mais de savoir ce que ça peut changer, si ça peut faire la diff. Et si on va en apprendre plus, parce que quand bien même j'arriverai à électrocuter le policier, ça m'aide pas à comprendre ce qui se passe. Donc il faudra quand même plus d'informations. Donc ce sera pas terminé, même si j'arrive à faire ça en fait. Genre le jeu est trop intéressant pour ça. On va s'arrêter du coup sur cette tentative-là. Mais clairement je vais faire d'autres vidéos et je vais essayer du coup d'aller plus loin. Et les vidéos vont arriver assez vite hein, du coup sur le jeu je pense. Parce que moi je vais continuer je pense d'y jouer au moment où je filme. Là je vais continuer dans ma soirée de jouer de toute manière. Mais ouais je pense que je vous sortirai les épisodes à la suite de toute manière assez rapidement. Mais encore une fois bah, si vous voulez pas vous spoil sur le jeu. Bon c'est un peu tard pour le dire hein, mais c'est le genre de jeu où...
C'est le genre de jeu, si vous comptez y jouer. Est-ce qu'il allume? Il allume, c'est parfait, je peux l'électrocuter, c'est sûr et certain. Ma'am. C'est sûr et certain que je peux l'électrocuter du coup. Et ensuite je sors et je m'en occupe. Je peux même combiner, hein. Une fois qu'il est électrocuté, j'utilise le couteau. Mais il va venir à ma porte encore, malgré tout. Ah, je sais pas, remarque. On voit pas trop ce qu'il fait. Mais ouais, non, clairement, voilà, si vous voulez faire ce genre de jeu, il faut surtout pas vous spoil, hein, parce que ça perd tout l'intérêt, quoi. Ok, il m'a grillé. Mais le jeu est vraiment stylé, par contre, j'aime beaucoup. Ok, you're under arrest. Don't move. Ah, attendez, parce que ça va peut-être être différent malgré tout, vu que ma femme dort. Ça va peut-être changer quelque chose aussi, hein. Ça peut changer quelque chose. On va voir. On va peut-être en apprendre un peu plus. Peut-être qu'il va vouloir parler avec nous, genre. What happened to her? Ça sert à rien de m'électrocuter. She's got an old watch, fancy. Know anything about it? Mais l'électrocuter de me tuer, pardon. Voilà, ça lui sert à rien d'essayer de me tuer puisque, en gros, c'est pour faire en sorte que ma femme parle. Mais là, vu qu'elle dort, lui demander pourquoi il veut la montre. Lui dire que vous ne savez rien à propos du monde. Why do you even want the watch? Because I do. Where is it? Comment savez-vous qu'elle a encore la montre? Il me faut des infos en fait. That she still has the watch. That thing is worth an awful lot. If she sold it, we'd know. Where is it? I don't know anything about a watch. Sure you don't. Where après lui en avoir parlé, oui, forcément. I swear, I don't know anything about any watch. Well, then I guess I don't need you. Okay, bon, je suis mort. I'm out of patience. Je suis mort, mais la bonne nouvelle, c'est que la prochaine fois, je sais ce que je dois faire pour essayer justement de d'avancer un peu. Je sais comment l'électrocuter, quoi. Il me suffit de me planquer, il va aller me chercher dans la chambre. Quand il allume, il est électrocuté si jamais j'ai utilisé l'interrupteur avant lui. Donc, on a une piste, les amis, pour la prochaine fois, mais ce sera pour la prochaine vidéo. Au moins, c'est bien. On s'arrête là-dessus en sachant qu'il y a une possibilité justement d'issue pour derrière. Qu'on testera dès le début de la prochaine vidéo du coup. Celle-ci, l'avantage, c'est qu'au moins, j'aurai pas trop spoil non plus pour le moment. Ça vous montre juste voilà, une petite présentation du jeu malgré tout pour ceux qui seraient intéressés de voir un peu ce que ça donne. Donc, c'est pas plus mal que j'ai pas trop avancé non plus. Et ensuite, pour ceux qui veulent voir du coup la petite série sur le jeu, on va voir. Hein, je pense que bon, si j'y arrive, en tout cas, j'aimerais bien terminer le jeu en vidéo. Ça pourrait être sympa. Le jeu est très cool. Voilà, bah écoutez, comme je vous ai dit, là, cette vidéo, normalement, elle a dû sortir le soir de la sortie du jeu, d'accord, si tout va bien. Deuxième vidéo, elle sortira sûrement demain matin. Et une autre demain dans l'après-midi, après selon la durée du jeu et selon comment on avance. Voilà, on va faire un truc comme ça. Ça, c'est le genre de jeu où ouais, c'est bien de... Voilà, je sais que je vais pas arriver à en décrocher, donc je vais avancer jusqu'à arriver le plus loin possible, je pense. Donc autant vous en faire profiter en même temps, pour ceux qui seront intéressés. Allez, sur ce, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt, les amis.